Bonjour à tous pour cette poursuite de la lecture sur le principe un chapitre par jour. Aujourd'hui, nous commençons les livres d'Esdras et de Néhémie. 10 chapitres pour le livre d'Esdras, 13 pour le livre de Néhémie. Faites votre calcul, cela va nous mener jusqu'au 10 juin. Alors pour bien comprendre ces livres d'Esdras et de Néhémie, c'est important que vous ayez sous les yeux la chronologie, toute la chronologie de l'Ancien Testament simplifiée, et puis de télécharger aussi l'autre petite chronologie du retour d'exil, pour avoir un petit peu une vision de tout ce qui se passe, des noms que vous allez entendre dans ces livres, de savoir les situer, à quoi ils correspondent. Et puis de bien comprendre qu'est-ce que c'est que ce temps du retour d'exil. En 587 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor envahit Jérusalem, détruit le temple et prend toute une partie de la population qu'on pourrait appeler les élites. Les élites, c'était ceux qui étaient à la cour du roi, ceux qui connaissaient d'autres langues, ceux qui avaient une certaine connaissance, notamment de l'écriture. C'est là aussi qu'une grande partie de la Bible va être rédigée en exil. Eh bien, ils les emmènent à Babylone. Ils vont être, comme on dit, envoyés en exil pendant une longue durée, près de 70 ans d'exil. Mais en 538, un roi perse appelé Cyrus, eh bien, proclame un édit qui permet le retour à Jérusalem et la reconstruction du temple. Le retour d'exil, c'est un signe de grande joie. C'est le signe que Dieu n'abandonne pas son peuple. C'est aussi le signe des retrouvailles. Ça va être le moment où on va redécouvrir son identité, la joie du temple. Et on va voir qu'au centre du temple, il y a l'autel. On voit que nous, il y a des petits parallèles finalement avec notre église que nous allons retrouver et son autel qui en est le centre. Mais aussi cette joie de se retrouver à nouveau après avoir été dispersé. Vous voyez que l'histoire, d'une certaine manière, se répète, même si c'est sous des aspects fort différents. Mais il va y avoir pas mal de questions aussi qui vont se poser pour ce retour d'exil. Il va y avoir des questions d'identité. Qui nous sommes? On a été dispersés au milieu d'autres peuples. Des questions aussi de ceux qui sont restés, parce que tout le monde, toute la population n'a pas été envoyée en exil à Babylone. Qui est légitime? Ceux qui rentrent de Babylone? Ceux qui sont restés? On va voir qu'il y a des tensions, tout n'est pas aussi facile. Alors regardons bien, eh bien, quels vont être les protagonistes, les prophètes qui sont aussi correspondants de cette période, les grandes phases, celles dominées par les Babyloniens, puis la domination des Perses, parce que ce sont quand même les grands empires qui à ce moment-là, eh bien, régissent toute la région. Et on va voir que la Judée, la région de Jérusalem, correspond pas à grand chose et que finalement dans l'immensité de cet empire que vaut finalement cette petite ville de Jérusalem. Et on va voir comment, eh bien, dans ces livres vont se jouer beaucoup de choses finalement de ces retrouvailles et en même temps peut-être d'une certaine désillusion. On attendait que de ce retour d'exil finalement un monde nouveau et c'est pas tant cela qui va se passer. Voilà une traversée tout à fait intéressante. Je vous retrouve demain pour vous présenter un petit peu plus en détail les livres d'Esdras et de Néhémie. À bientôt!